Filet mignon, hamburgers, ice cream, truck stop. Samurai, c'est le, ça, là c'est vraiment le les jets, c'est comme plein d'images TV qui t'arrivent à la gueule au niveau des mots. Et par exemple le I can fire and forget, tu vois, fire and forget, c'était le nom de code que l'armée américaine avait donné à la mission de l'attaque des jets sur Bagdad, tu vois. C'est-à-dire que t'as ces kids dans leur planes, ils ont 18-20 ans, dans leurs jets, ils sont là, ils foncent, ils ont des ordres, tout d'un coup, tchouk, leur image, le tac, ça devient rouge, ils pressent sur le bouton, puis ils continuent, ils savent même pas le résultat, les conséquences, etc. Et c'était ça l'idée. Fire, tirer, and forget, oublie. Et ça, je trouve que c'est des mots qui sont tellement proches d'un quotidien de l'être humain, si tu veux, que, ouais, c'est ça mon approche lyrique, disons, mon approche d'écriture. J'aime bien jongler avec ce genre de choses. C'est peut-être pas évident, si tu vois, mais j'ai pas envie que ce soit évident non plus. J'ai pas envie de donner une chose bien précise, etc., etc. Back to your room, back to your house, and back to your fucking...